Bienvenue à notre émission Portrait d'artiste. Nous recevons aujourd'hui un monsieur au talent indéniable, un artiste qui a une créativité sans borne, un monsieur calme et d'une convivialité remarquable. Monsieur Rocklefev, bienvenue. Bonjour madame. On peut, je crois, affirmer que vos œuvres ne laissent personne indifférent et votre mode d'expression est très original. Ma première question, vous sentez-vous plus artiste ou artisan? C'est un mix des deux, je pense qu'il faut, euh, faut commencer par être artisan dans ce domaine-là avant d'être artiste, là, du côté avec les, 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 le, le genre de travail que je peux faire euh, au niveau artistique. Et puis en plus de ça, bien, on j'espère qu'on a apporté un niveau un peu plus euh, symbolique à l'œuvre que je fais. C'est pas une œuvre statique, ça peut être une œuvre que les gens manipulent, euh, pendant le courant d'une vie, si vous voulez. Alors, tout ça, mais l'ensemble, ça mêle le côté artistique et le côté artisanal aussi. Parce que quand on, on touche sculpture et pyrogravure, souvent, c'est vraiment associé au niveau artisanal, mais effectivement, je pense qu'avec le niveau que vous avez atteint, on peut dire que vous êtes vraiment un artiste. D'après moi, en tout cas. Mm -hmm. Est-ce que vous avez déjà pratiqué d'autres formes d'art avant de vous attaquer, si on peut dire, au bâton? Oui, bien, je faisais un petit peu de peinture à l'huile quand je travaillais ah oui? pour un peu, pour enlever le stress du travail, là, okay. parce okay. que c'était quand même assez stressant ce que je faisais. Vous faisiez quoi comme ça? J'étais dans la machinerie lourde, le, 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 en fait, dans la vente de la machinerie okay. lourde toute ma vie. Okay. Alors, il y avait beaucoup de rencontres de clients, de voyages, d'avions, de, de là. Et puis, en fin de semaine, bien, on a essayé de relaxer un petit peu avec la peinture à l'huile. C'était mmh. tout simplement... Euh, euh, J'avais pris quelques cours de base okay. au niveau de, de la peinture à l'huile, un petit peu de dessin. J'avais pas tellement de problèmes avec le dessin, c'est de, un petit peu naturel, mais je crois c'est rien de spécial non plus, c'est strictement là, du travail de base que j'ai pris là-dessus. C'est ça qui a fait que j'ai commencé avec... Euh, avec le travail sur mes bâtons. Alors, j'ai transposé ça. Au lieu de la toile, j'utilise le bois. C'est un élément naturel, c'est chaud. Le bâton, ça a une arme. Elle a transposé tout ça dans une matière qui fait que j'ai développé une technique pour produire ce genre de bâtons-là. Mais au niveau de la sculpture, vous n'aviez pas d'antécédents, de, de, si on peut dire? Vous n'aviez pas du appris? Plutôt, pas... J'ai pris un petit cours de base seulement pour okay. me, comment manipuler mes gouges. Okay. Parce que c'est fait à la main, entièrement à la main, il n'y a aucun machinage dans ce que je fais. Alors les deux médiums employés sont uniquement la pyrogravure et la, la sculpture. Et puis la sculpture, en fait, c'est strictement à la main à la gauche. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres artistes ou artisans qui font le même genre de produit que vous? Le même produit, non. Il y en a qui font du bâton, c'est sûr, du bâton de marche, là, conventionnel. Okay. Il y a des très bons artistes qui en font, Jean rébénis par exemple. Oui, c'est leur métier. Okay. Ça, ils vont faire euh, des bâtons avec du bois, euh, un bois, par exemple, euh, exotique, qui vont tourner sur le, leur propre machine. Ça fait des, des, des pièces, de très très belles pièces. Mais euh, à la main, entièrement faite à la main avec la gauche sculptée puis le, le fer brûlé. brûler avec parce que la couleur qu'on a dans ces boîtons là, c'est uniquement la couleur de, de, de la pyrogravure. C'est la pression que je mets sur le doigt qui fait le, le pâle et le foncé, l'ombre et lumière régulièrement. Alors c'est ce qui sort du produit euh, que je fais là, mais c'est strictement euh, manuel. Et il n'y a pas d'association d'artistes de... à ce niveau-là? Est-ce que en vous en connais connaissez? J'en connais pas. J'en connais pas du tout <laughs> actuellement. J'en connais pas à ce niveau-là, à autre que des artisans qui font d'autres produits. Oui, c'est ça. Ça peut se rapprocher, si on, on pense plus large un peu, ceux qui font des canards de bois ou des choses comme oui, ça. Oui, la sculpture du canard, ça, c'est un autre domaine. Par exemple, je pas ce talent-là. Moi, là, il y en a d'autres mmh. qui l'ont, par exemple. Mais il y qui en a très qui très au niveau sculpture, oui. pyrogravure la aussi, pyrogravure, des fois peinture aussi. Oui, ils utilisent beaucoup la pyrogravure ouais. dans le canard, ça, c'est sûr. Par contre, euh, c'est différent. Le canard est fait... Normalement, le canard est fait avec un une essence de bois qui est assez, euh, qui est assez mou. Euh, L'utilisation est différente. C'est différent. Alors ça, je fais mes boîtons dans l'érable. L'érable, c'est que je peux aller chercher plus de détails dans du bois dur, dans un bois dur, que dans du tilleul, par exemple. Je ne pourrais pas aller chercher ce détail-là dans le tilleul. Puis ça prend aussi des, des, des choses qui sont solides, hein, s'ils sont pour servir. Oui, mais c'est des arts. C'est une œuvre d'art fonctionnel, ce ça. genre de bâton-là. Je me plais à appeler ça comme ça. C'est une œuvre d'art fonctionnel. Si quelqu'un veut s'en servir, bien, ils si sont faits pour ça. C'est de l'érable. Je pense que tout le monde en région, à peu près, là, sait que vous fabriquez des bâtons de pèlerin, des bâtons de marche, des cannes. Euh, ça peut être des objets de collection ou des objets fonctionnels, comme vous venez de le mentionner. Mm -hmm. euh, Donnez-nous un aperçu de ce que vous fabriquez, <coughs> à quoi ça sert. Euh, C'est pas toutes des bâtons de marche. Euh. Non, parce que comme je disais tout à l'heure, je dirais 80 de mes ventes de bâtons maintenant servent au niveau symbolique. Alors, ça représente quelque chose pour quelqu'un ou ça représente euh, une œuvre accomplie, ça peut représenter euh, un cheminement, ça peut représenter un paquet de choses, puis ça s'adresse à tout le monde, ça peut partir du, du scoutisme avec les scouts, un bâton scout, puis ça peut aller à monseigneur ou un cardinal ou euh, un chef d'État, ce, ce qui est fréquent maintenant, ou ils vont donner ça à des lauréats euh, en gala, ils vont, représenter, ils vont reconnaître. Un groupe de personnes, pour un certain, un certain événement qu'il a eu, par exemple, ben, ils vont leur offrir un bâton au lieu d'une plaque ou d'un ou tableau, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est une commande où vous allez illustrer euh, quelque chose qui vous, qui vous est demandé, que ce soit la vie d'une personne ou des étapes de vie ou la personnalité ou des choses comme Exactement, ça. Exactement. Parler de personnalité, ben, il y a des pêcheurs, il y a des chasseurs, il y a des, mmh. il y a des gens qui sont plus contemplatifs. Alors, à ce moment-là, il faut, euh, faut travailler le bâton en conséquence, ou un bâton que j'ai déjà. Mais chaque bâton est personnalisé aussi à la personne, avec un numéro de collection. Il porte mon logo aussi, parce que j'ai un droit d'auteur sur le bâton pèlerin. Le, le bâton pèlerin, c'est vieux comme la terre, l'expression bâton pèlerin. Les politiciens oui, C'est quelque chose de traditionnel. Ça. Oui. Alors, les politiciens emploient ça, les chefs d'État, euh, il y a un paquet de gens qui emploient l'expression on va reprendre le bâton pèlerin. Des chefs d'entreprise. Alors, moi, je voulais donner un nom à mon bâton, je lui ai donné le nom de bâton pèlerin qui, qui varie aussi avec l'origine avec du bâton. Donc, sous, la plupart des bâtons que vous faites sont, peuvent être utilitaires, mais la plupart des gens ne l'utiliseront pas comme ça parce que c'est trop. Euh, euh, c'est trop beau, c'est trop euh, personnel, euh, ça a trop de valeur aussi. Mm -hmm. euh... ben, c'est symbolique d'une étape de leur vie ou d'un événement quelconque qu'ils ont eu. Par contre, comme je vous dis, s'ils veulent l'utiliser, ben, c'est un, un oeuvre <laughs> d'art fonctionnel. C'est ça. Vous avez des cannes aussi? Oui, j'ai des cannes qui servent maintenant. C'est beaucoup plus de travail de travailler sur une canne que sur un bâton. Par contre, je ne voulais pas toucher à ça. C'est un petit peu un appareil orthopédique. Et puis, ouais. euh, c'était pas un domaine où je, je, que je visais réellement, que j'aurais pu travailler ou développer. Par contre, j'ai vu que l'utilité de la canne au niveau des gens qui en ont réellement besoin ou qui ont un, un léger handicap ou un handicap sérieux, euh, ils peuvent l'utiliser parce que ça, 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 ça l enlève le mythe de dire je n'ai pas besoin moi d'une canne euh, une canne de pharmacie je n'en veux pas des cannes chromées j'en veux pas alors avec ça c'est une œuvre d'art je l'ai fait j'ai commencé d'ailleurs ça ne fait pas longtemps ça fait peut-être trois ans seulement que je fais la canne mais j'ai commencé à la faire euh, à ce niveau là parce que je me suis aperçu que ces gens là ça devenait, euh, ça devenait une. une c'est moins un désagréable d'accepter d'utiliser de, de, une cam. C'est ça. Ils font <laughs> des amis, ils hein, discutent, ils vont chez ouais. la coiffeuse, ils vont chez le médecin, ils vont. Qu'est-ce que c'est ça? Puis t'as dit, puis c'est bien beau. C'est un sujet de conversation pour ces gens-là. Mais finalement, ça les, ça les porte à sortir, ils vont sortir plus. C'est ce qui m'a emporté à commencer à faire ces petits canons, mais c'est beaucoup plus de travail parce qu'il y a la main, la, la grosseur de la main, la personne, c'est grand, c'est court. Le bras large, un paquet de choses. Mais j'en fais quelques-unes quand même. Et ces bâtons de pèlerin-là, euh, il y avait des utilités vraiment pour soutenir, tout ça, mais il y avait aussi des utilités de combat, il y avait des, des, toutes sortes de. Traditionnellement, ça a servi à beaucoup de choses. Oui, bien, en fait, si on parle, si on oublie le nom pèlerin, puis on parle oui. uniquement du bâton, on va dire, ben le bâton, c'est le plus vieil au-dessus du monde. Hein? Euh... Et ça a été inventé avant la roue, le bâton. Parce que quand l'homme s'est levé debout, s'est appuyé sur un bâton pour... Il a de quatre pattes à deux, deux jambes. Oui, c'est Il fallait qu'il s'appuie sur quelque chose. Alors, l'origine du bâton est là. En Et fait, euh, on a les, les Chinois qui s'en servent pour manger, avec les bâtons pour manger. Il y a les Japonais qui ont des bâtons de combat. Les Canadiens de Montréal s'en servent pour jouer au hockey, <laughs> C'est bien comme. Mais euh, non, en fait, c'est plus vieil au monde. C'est vrai. bien. Tout le monde. Euh, pour ceux et celles qui, comme moi, sont un peu profanes, euh, pourriez-vous nous expliquer la démarche de fabrication? Vous partez de quoi, premièrement? Comment vous trouvez votre matière okay. première? Oui, bien chaque bâton est un, un petit arbuste. C'est pas une branche sec euh, okay. ou c'est pas une branche trouvée. Euh, Ce qu'on pense pas une branche... souvent, là. Oui, c'est ça. C'est un petit vue. arbuste qui, qui pousse, qui, qui est en vie avec les feuilles après quand je vais le chercher. Ah oui. Alors c'est un choix d'un petit arbuste. Je vais aller dans le sol pour avoir autant que possible les courbures euh, qui fait que c'est la, la partie supérieure du bâton. Alors ça se trouve être la petite souche. Les racines sont prises après cette petite souche-là, moi que je travaille, en conséquence, pour me faire une surface de travail. Mais euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de l'érable, c'est un bois toujours? dur, toujours de l'érable, sauf quelques-uns. Là, je peux prendre peut-être un merisier ou quelque chose. Mais l'érable, c'est que c'est un bois qui est très dur. Ça me permet d'aller pyrograver un peu plus euh, en, en détail quand, quand il est bien séché, parce qu'il va faire des deux bouts, c'est sûr. C'est de l'érable, c'est un bois frais. Et il y a des périodes de séchage avec l'écorce dessus. Il y a une période de catachissement avec l'écorce. Après ça, il y a l'écorçage. Il ne faut pas qu'il passe loin parce que l'écorce colle sur le bâton. À ce moment-là, c'est un problème, là, plus pour l'écorcer. Il y a des périodes de séchage qui vont varier. Je ne touche jamais à rien, moi, avant 8 mois, 8 à 10 mois. Pour un bâton avant que je commence à le sabler pour qu'il soit bien ah ouais. sec. Si s'il y a la fente, il va être fendu. On travaille d'autres choses. Avec les fentes, j'en jette pas un. Hein. Je travaille la fente. Vous la servez craque, des défauts. aussi. Des défauts. Ah oui. Plus il est croche, plus il est blessé, euh, plus il, est... Il, il Il peut parler. Il peut parler. Il me dit quelque chose. On travaille Je travaille pas tout seul dessus. Parce que je me, je me compare un petit peu quand je faisais un peu de peinture à l'huile. On achète une, une... une... une toile. On, ça vient tout de l'idée de d'en d'être. C'est oui. le cerveau qui travaille, oui. on s'en va sur la, la, toile. Oui. la toile. Par contre, ça, le bâton, ben, je peux le regarder un an, deux ans, trois ans avant de travailler avec, mais il m'aide à travailler parce que les courbures que je vais aller chercher le maximum des, des courbes qu'il peut y avoir, ou de la maladie, ou s'il y a eu des... Euh, comme, la, comme on parlait de la petite souche, les racines qui sont près de ça, ils ont certaines formes qui font que c'est un nœud, ça. Alors, la couleur de, de ce nœud-là, va ressortir une fois que le travail est terminé. On travaille la pyrogravure en entour de ça pour aller chercher le relief que ça peut, ça peut apporter. Mais c'est tout un. On les regarde longtemps avant de travailler ça. Donc le temps c'est beaucoup on plus long la préparation au niveau du bois à partir du moment où vous le ramassez et aller jusqu'au moment où il est prêt à s'en servir. Ah oui, c'est sûrement pas avant. Écoutez, là, si on parle de préparation, on a minimum un an là, avant de commencer à toucher au... à l'objet. Puis quand vous y touchez, est-ce que ça peut être long? Est-ce que euh, ça dépend? Bien, ce si on suppose? prend. Normalement, je ne travaille pas en, en série, c'est sûr. On va préparer peut-être 5 euh, 6 six unités de base. Mais quand j'en prends un, je le travaille jusqu'au bout. Parce que dans les sujets, il n'y a pas un sujet qui est pareil. C'est toutes des pièces uniques. De par la forme du bâton, je ne peux pas les copier. Et puis euh, les sujets varient aussi. C'est bien différent l'un de l'autre. Mais euh, la, la période de temps qu'on peut travailler sur un boîton, c'est euh, minimum trois à six semaines. Parce il euh, y en a, ça varie entre 50 et 100 heures de travail. Ça fait longtemps que je ne compte plus le temps là-dessus. Là. Mais ça varie là, entre 50, 50 et 100 heures de travail par boîton. Et pour trouver ça, pour vous en inspirer et tout, vous devez aimer la nature? Beaucoup. Beaucoup. Chasseur, pêcheur, euh, <laughs> randonneur. <laughs> Donc, la nature vous suit chez vous après. <laughs> oui, oui, oui. oui. <laughs> euh, votre inspiration, vraiment, c'est à partir du bâton lui-même, de sa forme. Euh, oui, Sauf de... ce, sur commande. Bien, en fait, sur commande, oui. Mais sur commande, il faut, en réalité, aller chercher quand même l'objet qui, qui, qui va faire la commande, qui va compléter la commande. Parce que les gens, des fois, ont une belle coupe, ils ont aimé le bâton, mais j'ai pas assez de surface de travail pour ah. faire ce qu'ils qu veulent dessus. Alors, je fais comme une armoirie de famille, par exemple, avec des, des licornes, le diapason, okay, et ouais. ainsi de suite. Là. Puis on met ça, c'est grand comme ça, là, puis on met ça sur un petit bâton d'un pouce et demi là, de, 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 <laughs> de diamètre. Pas, des fois, c'est compliqué, parce ouais. que on, des fois, on a l'endroit, on n'a pas l'endroit. Mais en fait, euh, l'inspiration, au départ, euh, on, je l'ai quand je, je coupe l'arbre. Un petit arbre, c'est au Déjà, départ. Déjà, ça vous dit quelque chose. Oui, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est un autre affaire. Je n'ai <laughs> aucune idée à ce moment-là. Est-ce va réussir idée. ou pas? Oui. Est-ce que votre travail exige beaucoup d'équipement? Un pyrograveur, beaucoup de sablage et puis euh, des gauches à sculpter. Et tout ou à peu près. Et assez... là, on parle euh, des et rares. Oui, suite, ça aussi. Oui, des <laughs> Mais euh, c'est ça, ce n'est pas, pas un atelier là, immense. Certaines pièces, euh, je ne sais pas si celles qu'on a ici en ont actuellement, mais elles sont serties avec des pierres polies, des pierres fines. Euh, vous ajoutez même des plumes, tout ça, je pense que tout a une signification là-dedans. En fait, euh, oui, ben, les pierres comme telles, les, chacun voit ce qu'il veut voir dans le bâton, en fait. Moi, je me sers des cavités naturelles du bâton, soit pour les travailler en sculpture, soit pour les travailler en pyrogravure, ou soit pour y insérer une pierre. Ça soit une pierre de naissance, j'en ai avec des émeraudes, j'en ai avec des oh. agates, j'en ai avec euh, simplement travaillé, comme je disais, avec euh, les gouges à sculpter ou la pyrogravure, mais je me sers de la cavité naturelle de l'arbre. Je ne vais pas faire de trou dans le milieu d'un bâton pour insérer non. une pierre. Alors, c'est Vous observez ses défauts de, ouais. naturels. puis euh... Euh, Le cuir qu'il y a sur mes bâtons pour la, la, la poignée de cuir, si vous voulez, là, avec la ganse, moi, je vais choisir les peaux directement chez le grossiste pour pas qu'il y ait eu de coups de couteau à l'intérieur de la peau quand j'étire, parce que c'est des ça lanières, existe. il y en a sur des bâtons, ça varie en 6 et 8 pieds de lanières qui sont tortillées. Il ne faut pas que ça lâche. Il ne faut pas que ça lâche. Puis les rangs, il ne faut pas qu'il y ait de entre les rangs non plus. Ça fait ouais. des ampoules. Il ouais. ne faut pas qu'il y ait un rang un sur l'autre parce que ça fait une bosse. Ça fait encore des ampoules. Il faut que ça soit collé un sur l'autre. Et puis, euh, si en collant, c'est collé dans de la colle contact, ça. Là. Si en étirant mon cuir, en m'en allant pour travailler avec, j'ai une rupture du cuir parce qu'il y a eu un coup de couteau à l'intérieur qu'on n'a pas vu. Fini. Là, c'est collé dans de la colle contact. C'est euh, moins drôle. Là. Tout est pensé. Oui, c'est moins drôle. <laughs> euh, à ce stade de l'émission, on a un petit jeu d'habitude ah, avec oui? des petites questions, <laughs> un petit jeu de la vérité si on veut, des ah, petites ouais. questions vite avec des réponses rapides si possible. Ouais. C'est juste pour aider à connaître un petit peu okay. la personne. Euh, votre péché mignon. Puis j'ai mignon. Oui, n'avez-vous un J'en ai pas beaucoup. <laughs> OK. J'en ai plus qu'un, mais je n'ai pas beaucoup. <laughs> non. Puis mignon, je pense que je ne sais pas. C'est difficile de répondre à ça. Oui. Euh, je, je vais apprendre en dernier, celle-là. Correct. Votre couleur préférée? <laughs> C'est le carrelage. Ah, ben, ça le va carrelage, bien. carrelage, Un coup de vert, un coup de, bleu, un coup de rouge et puis une petite ligne gris. OK. <laughs> Votre mets préféré le mes préféré, j'aime bien le leur. Le leur québécois. <laughs> ah, pourquoi pas? Le genre de musique que vous aimez? j'aime beaucoup le jazz, la musique classique. Je ne pas, je suis pas, un... Je suis pas un... un connaisseur de musique. Je suis un consommateur de musique. C'est bien. Ce qui vous énerve le plus? L'incompétence. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui est incompétent et qui prouve qu'il. <laughs> Votre sport préféré? La chasse, la pêche. Un film qui vous a impressionné? Euh, Sound of Music. Ça, ça c'est un vieux film, mais Sound of Music est bien est beau. C'est toujours... <laughs> Votre animal de compagnie? Ah, c'est mon chien. Vous avez un chien? Ah oui, c'est mon Golden, Babby. Est... Est-ce euh, que vous avez un autre loisir à part la sculpture? Euh, à part la sculpture, ben, le loisir, j'ai un terrain de 120 000 pieds carrés. Là, ah. là, je m'amuse beaucoup là, en serait... période d'été, automne et printemps. Ça vous a plu? L'hiver, ben, je fais de la, de la neige. <laughs> oui, ben, Je fais de beaucoup, de, de beaucoup de. La qualité que vous recherchez chez les gens? La compétence. Ah, ça va bien avec. Euh... Avec la compétence. <laughs> Est-ce que vous avez trouvé votre péché mignon? Non, je reviendrai. <laughs> c'est correct. <laughs> Est-ce que vous avez Bien un ça, rêve euh, que vous aimeriez réaliser? Mon rêve, en fait, c'est de. C est, c est, en fait, c'est un petit peu là, de mon, euh, mon hobby qui est devenu là, une passion. C'est euh, essayer de, 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 de faire comprendre aux gens tout ce qu'il peut y avoir dans un bâton, que ce soit un bâton pèlerin ou non, mais un bâton. Travailler au niveau artistique qui a été, euh, depuis le, le début des temps, euh, le support moral et le support physique aussi de tous les gens qui, qui, qui peuvent s'en servir et qui ils comprennent la réalité de, 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 de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un bâton parce qu'il y a beaucoup de passion là-dedans. Puis de plus en plus, les gens le comprennent. <laughs> C'est oui. ça, <laughs> ça qui est intéressant pour moi. Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a impressionné? Il y en a quelques-unes, oui. Oui, oui. Parce qu'à travers les temps, là, à travers les années, on en rencontre beaucoup. Euh, par contre, euh, Kennedy, moi, m'a impressionné beaucoup. Le président Kennedy. C'est terminé comme tu veux. C'était pas trop pénible? <laughs> on revient aux temps, questions. C'est que ça <rire> <rire> OK. Vos œuvres se retrouvent un peu partout dans le monde. Comment vous êtes-vous fait connaître? Le bouche à oreille. En oh. fait, c'est le bouche à oreille là, parce que j'exporte pas du tout mon produit. C'est mm. les gens qui. Euh, qui, qui l'apporte en cadeau. Euh, au début, j'avais. Étant donné que c'est un bâton de marche au, au départ, euh, j'en avais, avais mis quelques-uns dans des boutiques de sport, et ainsi de suite. Les gens le trouvaient bien beau, puis tout ça. Mais c'est pas un bâton technique. Puis je ne veux jamais profiter de l'occasion pour dire que c'est un bâton technique ou même venir en compétition avec un bâton technique. C'est un bâton qui. C'est une pièce une pièce œuvre d'art, c'est artistique, le travail qu'il y a-tu. Et, mais euh, c'est ça, c'est du bouche à oreille, tout simplement. Il y a des organisations, des corporations maintenant qui l'utilisent, comme je mentionnais tout à l'heure, pour donner en, en cadeau, euh, pour souligner des, 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 des travaux ou euh, à des, 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 euh, des départements là, qui, qui ont un, un travail spécial à réaliser. Alors, ils vont, ils vont prendre un chef de département et ils vont dire Écoutez, Jules, voici le bâton pèlerin, prends le bâton pèlerin. On a ça, ça pour toi, il faut que tu mènes ça à bien. Ça signifie quelque chose pour euh, chacun de ces gens-là. Donc, c'est donné souvent en cadeaux, euh, oui. plutôt, euh, du euh, cadeau corporatif ou des personnalités ah, oui. ou des choses comme ça. Oui. J'en ai un gars là maintenant qui va venir en mois de février là, à Montréal pour euh, l'association euh, des fournisseurs d'hôtels et restaurants. J'ai été là l'an dernier, on a donné 10 bâtons à euh, des niveaux assez élevés là. Des gens qui pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration à Montréal. Euh, je peux les nommer peut-être. Il, oui, il y avait M. Normand Legault, qui, qui est la F1, qui en a reçu un. M. Jean-Pierre Léger, des présidents fondateurs des, des restaurants Saint-Hubert, et ainsi de suite. Il y en a une dizaine. Eux ont formé un comité pèlerin l'an dernier pour choisir les dix nouveaux récipiendaires de cette année qui vont recevoir aussi le bâton pèlerin cette année. Alors, on assiste à ce galère-là au mois de février. Là. Ça, c'est beaucoup. Là. Pour moi, c est, c est, ça veut dire bien des choses. Bien, c'est intéressant comme oui. notoriété et c'est être reconnu, finalement, quelque oui, est part. Hein. Est-ce qu'il y a des, dans, ailleurs dans le monde des noms euh, connus que, vous, qui ont vos bons des noms? Des noms connus. Euh, J'ai des amis d'amis. Il n'y avait qui un pas euh, Monseigneur, tu sais, je me rappelle euh, bien, bien, à Québec? A, ah, non, il y a dans le monde, OK, il a, ici, ben, il y a le oh. cardinal Ouellette qui en a, oui. un, il y a des archevêques, il y a six ou sept archevêques qui en uh -huh. ont. J'en ai trois, euh, je pense, au Sénat canadien, M. politiciens euh, ouais, ça. Politicien aussi. Et pourquoi pas? Mais, mais oui, mais ça se donne bien en cadeau aussi, des nouveaux, euh, à des conférenciers. Les oui. conférenciers ont beaucoup de plaques, beaucoup de tableaux, etc. Oui. Puis moi, un oui, moment donné, ils ne il pas trop. Ça fait <laughs> mais euh, ailleurs dans le monde, écoutez, j'en ai, ai, ai beaucoup en Europe, en Allemagne, des marcheurs qui ont fait le Kilimanjaro. Il y en a d'autres. a un monsieur, un Hongrois, qui fait de la chasse euh, au chamois dans les Pyrénées. Il est venu s'en choisir un ah chez oui? nous. Je lui ai fait avec un chamois dessus. Il doit avoir de vos bâtons qui sont allés à Saint-Jacques de Compostelle, J'en je ai sept <laughs> ou huit qui ont On fait Compostelle la date. <laughs> les gens reviennent à l'atelier pour faire inscrire euh, le kilométrage qu'ils ont fait. Ah oui? Et puis, qui, euh, le, le, le kilométrage et la date qu'ils ont fait le voyage. J'en ai 7 ou huit. Ils sont, sont un petit peu mochés. Mais ils ont vécu à travers le, le périple de quatre à six semaines de marche. Eh bien. Ils sont collés de vin, de, de jus, ainsi de <laughs> suite. Là, <rire> les, <rire> les plumes, assez souvent, les plumes sont parties. <laughs> mais euh, quand même. Est-ce que vous avez des endroits où on présente vos bâtons? Je sais que vous en avez à votre atelier, puis vous pouvez recevoir des gens, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on présente vos pièces? Actuellement, non. Le seul endroit que j'ai actuellement là, comme, euh, comme point de vente, c'est la... une galerie à Sherbrooke. Le, le, les, les, euh... C'est la Corporation des métiers de, des artisans du Québec qui m'ont invité à leur salon à Sherbrooke. Et puis ils ont aussi une boutique. Là. Je suis invité là pour un an avec euh, mes, mes pièces. Mais je ne produis pas assez réellement pour faire la distribution de bâtons dans de la boutique ou de la galerie d'art. Oui, ça, ça demande C'est la production parce ouais. que ces gens-là, comme je disais tout à l'heure, le groupe de, de, de Montréal qui m'en prennent 10, là. Bien, 10 à 12 bâtons, moi, c'est 6 mois de travail. C'est ça, occupe ça temps. occupe beaucoup de temps. Ça occupe de beaucoup de temps. Je prends quelques commandes à part ça, mais euh, je produis environ 25 pièces par année. C'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un rêve que vous aimeriez réaliser avec ça? Hein? J'ai beaucoup de, beaucoup de projets. Oui. Beaucoup, beaucoup de projets sur les bâtons. C'est une question de temps pour l'instant. Mais toujours dans la même toujours optique. Toujours la même là. Ah, définitivement. Ça, Pas de nouveaux produits. Non. À rattacher euh, quelque chose après le produit, par exemple. Là. OK. Euh, Peut-être une autre ligne qui serait plus accessible okay. à une certaine clientèle. Mais toujours dans le même produit. Est-ce que vous exposez de temps en temps? Parce que vous avez participé euh, au Salon des Artisans quelquefois. Euh, oui. Que... Euh, ben, J'ai fait la, la, la foire du bois Saint-Hyacinthe. Il y a déjà quelques années, j'ai participé au Salon des métiers d'art de Saint-Hyacinthe pendant trois ans. L'an dernier, j'ai été au Salon des métiers d'art de Sherbrooke, mais j'en fais un par année. Un... C'est ça, c'est toujours une part... question de production aussi. C'est ça, c'est la production. Hein? Puis je fais partie aussi des chemins euh, des artisans de Thetford, qui a été très bon pour moi au départ. Ça, c ça a été une, oui, ça a... une bonne vitrine. Je pense que ça a vision. contribué à vous faire connaître beaucoup en région. Exact, mmh. ouais. Maintenant, là, c'est ça. C'est un choix à faire à un moment donné, parce que c'est la, la quantité de bâtons là, qui est. Tant mieux. C'est une mauvaise une bonne nouvelle pour, euh, <laughs> pour euh, ce que je peux faire. Là. Mais on retrouve beaucoup de, 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 de thématiques de la nature dans vos pièces, euh, finalement. Oui, Je ben, pense que vous aimez beaucoup. Oui, euh... c'est ça. C'est basé là-dessus, en fait. Là. Parce que euh, la pyrogravure, si on retourne au, dé au début de la pyrogravure, j'ai essayé de trouver beaucoup d'ouvrages qui avaient été faits sur la pyrogravure. Au départ, maintenant, c'est pas facile d'en trouver. Ça ne doit pas. Je ai pas trouvé du tout. Ah. J'en ai un petit peu aujourd'hui. <laughs> du côté américain, il y en avait un petit peu plus. Oui, peut-être. Puis aujourd'hui, ce que je trouve en pyrogravure, c'est la base d'une pyrogravure que je ne peux pas utiliser parce que j'ai tellement d'heures de fait là-dessus maintenant. Là. J'ai un pyrograveur chez moi qui doit arriver à 15 000 heures. Là. Oui. Puis j'en ai deux ou trois autres là, qui pour, pour le backup up, si vous voulez. <laughs> mais c'est ça. J'aurais aimé avoir de l'aide là-dessus, mais c'est un art que j'ai développé. puis euh, Tout le monde a touché un petit peu à la pyrogravure. Oui. Mais c'est de la marier oui. un peu avec un autre produit. Puis oui. de la sculpture. Oui. Ça complète le produit c'est d'arriver à avoir un produit qui se démarque et, et quelque like. chose d'artistique aussi. Like. C'est ce qui fait la, la renommée et qui fait que vous vous, vous avez une production qui s'écoule bien aussi, oui. je pense. Oui. oui. Monsieur Rockefeller, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Ben ça m'a en fait maintenant. À la prochaine.